Salut à tous, c'est Toyagami qui vous parle pour la suite du Let's Play de Mario Kart Double Dash. Nous allons continuer le jeu, hein, comme d'habitude, hein, blablabla, toujours la même histoire. Donc, nous avions terminé la dernière fois les deux premiers Grands Prix en 150, nous allons faire le troisième et le quatrième Grand Prix cette fois-ci. Et bien sûr, je conserve mes personnages, hein, je reste dans le léger. Donc je prends Todd et BBG comme d'hab, le kart j'ai vraiment pas envie de le changer, il n'y a que le kart normal qui m'intéresse. Bon, je peux toujours regarder, celui-là est un peu plus rapide mais il n'a pas une très bonne accélération, celui-là il a une meilleure accélération. Oh, je devrais peut-être tester que celui-là. On va essayer pour voir ce que ça donne, histoire de changer un peu. Royaume Sorbet, ah ça c'est un de mes circuits préférés ce jeu, plutôt joli, plutôt sympa. De toute façon les circuits enneigés j'aime bien généralement dans les Mario Kart. On va essayer de faire un peu mieux que la dernière fois. Donc je vais essayer de faire trop de maladresse. Bon, ça va, il tourne plutôt bien. Je crois que je vais la fermer parce que je dis que je vais pas faire trop de maladresse et ça commence bien. Oh putain, c'est moi qui vais me manger ma... Non, j'ai rien dit. Je me suis dit que c'est encore moi qui vais manger ma propre coquille verte, bien sûr. Ouais, ça commence bien. Allez, premier, tu te manges des... Non, oh, j'aurais préféré que tu te manges ma coquille rouge, toi. Non, 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 non. Allez, on va se calmer deux secondes. C'est pas parce que j'ai mangé un mascasse que je dois avoir du mal à attraper les... Pouah ! C'est la première fois que ça arrive, ça. C'est la première fois. Ça arrive jamais, ça, que l'autiste mange le glaçon et il l'envoie vers moi, quoi. What the fuck. Bon, faut rattraper le retard, là. Il en reste encore deux tours. Doucement, doucement, doucement. Oh, pff, inesquivable. Juste là, j'étais en pleine accélération, je pouvais pas l'esquiver. Mais là, on arrive au dernier tour, donc je commence à être un peu inquiet, là. Il faut que je grouille un peu, là. Ah, elle commence bien. À mon avis, j'aurais peut-être pas dû prendre ce kart, parce que je suis vraiment, vraiment à fond sur les cartes qui sont vraiment spécialisées dans l'accélération. Et celui-là, c'était pas trop son cas, ce que j'ai vu. Bon, il y a moyen d'être peut-être deuxième, si tout se passe bien. Et si tu pouvais arrêter de me donner des coquilles rouges, des coquilles vertes, je veux dire, ce serait bien. Je préfère les coquilles rouges, c'est de choper le champignon. Oui, oui, bof. S'il se mange un glaçon, il y a peut-être encore moyen, mais non. Et malheureusement, c'est la plante piranha qui va être mon rival pour ce Grand Prix. J'en ai bien peur. Puisque ce personnage, je dis j'en ai bien peur, puisque ce personnage a tous les objets spéciaux, et ça, j'aime pas trop. J'ai pas envie de me manger triple coquille rouge. Et de toute façon, c'est souvent soit la plante, soit le fantôme, parce que c'est toujours les gros qui sont les plus dangereux en 150. Bon, ce circuit-là, c'est un peu la même chose que le pont champignon, sauf que cette fois, la différence, c'est que vous avez des chemins différents, enfin des carrefours, des voitures qui viennent vraiment dans tous les sens. Si vous connaissez pas trop bien le circuit, vous pouvez vous perdre, mais bon, comme je connais, ça devrait bien se passer. Par contre, la plante piranha, cette fois-ci, je vais t'avoir. Prépare-toi à rencontrer ton créateur. Ok, j'aurais dû la fermer. J'ai dit cette phrase de manière... J'ai dit cette phrase de manière totalement stupide. Et je fais déjà plein de bêtises. Super. Voilà. Champignon, ouais, cool. Il me semble qu'il y a en plus un raccourci dans ce circuit, si mes souvenirs sont bons. Je vais voir, il me semble. Hop là. Bon, la plante piranha, elle va quand même vite là. Oh là là. Mauvais, mauvais. Voilà, je crois que c'est ici, mais est-ce que c'est vraiment raccourci au final? On a double cube, mais... Doit-on considérer cela comme un raccourci? Si tu peux te manger le Wiggler, ce serait... Pff, ridicule. Allez, double cube. L'autre, il a déjà une putain de banane, super. Boum! Bon, c'est pas trop ça que je voulais toucher, mais soit. Non ! Eh, toi, je veux même pas que tu gâches mon let's play, là. Je suis en train de louper toutes les choses importantes. Ouais, tu me fais pas peur avec ton faux cube, toi. Espèce de faux cube. Je vais éviter de faire le con. Il y a encore possibilité de gagner, moi, je dis. Ah ! C'est pas grave, j'ai que des coquilles vertes. Qu'est-ce qui se passe avec... What the fuck? Eh, vous voyez ce que je vois?
La planque piranha était bloquée. C'est quoi cette chance de débutant que j'ai là? Comment il a fait ça? Bah, par quelle méthode la plante piranha s'est retrouvée bloquée? Faut qu'on m'explique là. Je sais pas, j'ai encore une chance de débutant, comme j'en ai souvent en ce moment, mais il a fini 5ème. Résultat, je prends une belle longueur d'avance, c'est bien, tant mieux. Mais je sais pas, si vous avez bien vu le circuit, ils ont arrêté de bouger, soudainement. Petite crise cardiaque, petite roue, ils ont perdu une roue, je sais pas. La fleur aurait perdu une pétale, Diddy Kong aurait voulu bouffer une des bananes qu'il a trouvées sur le sol. Je ne sais pas, aucune idée, aucune fucking idée. Bon, du coup, il revient déjà dans la course, celui-là. Bon, ça me laisse encore une marge d'erreur assez constante, on va dire. Continuons sur cette voie, du coup. Fucking stupid intelligence artificielle. Et tu te sens malin, là. Le mec qui balance une grosse coquille, ben ouais. Il s'est fait avoir. Parce qu'il fallait peut-être pas la balancer à cet endroit, c'était pas le plus prudent. Oh, oh. Dès que j'ai vu le focus, je me suis dit je vais le manger et je l'ai mangé. Voilà. Et what the fuck, il est encore. Putain, il a encore décidé de lâcher une pêche ou quoi? Mais mon dieu! Oh. Qu'est-ce qui se passe avec la plante piranha là? Bon, par contre, Diddy Kong et Bowser Jr. là, ça va pas se passer comme ça. Bien que je puisse les rattraper. Et voilà, je les ai touchés. Bon, ça va, elle est plutôt bon ce kart finalement. Je devrais continuer le let's play avec parce que, ouais, non. À part qu'il a pas une très bonne accélération comparée à l'autre kart que j'ai pris, mais ça va. Assez rapide en plus. Non, c'est un bon kart finalement. Mais bon, pas une accélération. Ah putain. Non, ça va, c'est pas moi. Pas une accélération tip top, n'empêche. Donc faut voir, si je gagne avec, je peux toujours continuer, mais... Ou alors, je pense, pour le prochain, je reprends le petit kart. Parce que c'est quand même le Grand Prix le plus dur, mon dieu! Voilà pourquoi j'aime pas avoir la plante piranha comme rival, ni une fantôme. Je pense que j'utiliserai ce kart pour le Grand Chelem, tiens, plutôt. Grand Chelem, qui est le 5ème Grand Prix, et qui regroupe tous les circuits du jeu. Non, vas-y, mais c'est pas possible! Et je vais pas finir deuxième, sérieusement, je vais pas finir deuxième. Hors de question. Et je fais encore n'importe quoi, comme d'hab. Allez. Donkey Ace. Voilà, là, ça va mieux. J'ai eu beaucoup de chance, encore une fois. La chance ne me quitte pas comme ça dans ce jeu. Pas comme ça. Non. Par contre, Circuit Yoshi, je suis déçu qu'ils l'ont mis en DLC dans Mario Kart 8. C'est pas que j'aime pas ce circuit, mais c'est pas la première fois qu'on le reprend. On l'a déjà repris sur DS, alors qu'il n'y a toujours pas de château de Bowser qui ont été repris. Comme celui qu'on va voir après dans le Let's Play au passage. Ça, je trouve ça un peu décevant. Montagne Donkey Kong. Ah. Ça, c'est encore un autre de mes circuits préférés qui a été repris dans la version 8. Donc je le connais bien ce circuit à force. Je le vois déjà avec sa banane, lui je le vois venir. Voilà, un petit tonneau boulet de canon comme dans Donkey Kong Country qui nous permet d'aller au sommet de la montagne. Maintenant c'est que de la descente pratiquement. Ouais, ça doit être une sorte de parodie de Donkey... Enfin, parodie que je raconte. Un hommage à Donkey Kong Country, voilà, c'est le mot est meilleur. C'est un hommage à Donkey Kong Country, ce circuit. Bon, on va essayer de faire attention, les virages sont assez serrés ici. Yeah! Oh, 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 doucement, doucement, oh non! J'étais trop à droite, et pourtant je commençais à revenir. Je commençais à revenir, et non, finalement non. J'ai fait le con. Ouf! Je croyais que t'allais m'avoir comme ça, mec. Yo, Donkey. C'est pas parce que c'est mon circuit qu'il faut jouer au plus malin avec moi. Ok, bébé Luigi, c'est quoi les cris que tu pousses là quand tu t'es comme ça là? Ok, j'ai entendu une coquille rouge que finalement j'ai pas mangé.
Je suis tenté de garder champignon, vous allez voir pourquoi, mais j'ai peur de me planter. Allez, on teste le coup. Oh, les virages là sont dangereux. Oh, qui sont dangereux. Allez, je teste. J'aurais perdu. J'ai mal négocié mon virage. Fucking shit. Bon, j'ai intérêt à m'attraper là parce qu'il faudrait pas que je puisse genre 3ème ou 4ème là. Non, j'aurais dû réfléchir avant de faire. Non, pas 4ème, sûrement pas. Non. Tu rêves, mon pote. Au moins 3ème serait, je pense, suffisant. 279 km/h quand même, attention. Hein. Louper le cube, évidemment, parce que j'ai complètement loupé mon dérapage, surtout. Non, je ne finirai pas 4ème si c'est ce que tu veux savoir, Bowser. Coquille bleue, oui, ça c'est bien, ça, j'avais besoin. Sur les rochers. Ah, le deuxième est déjà là. Donc tu as moyen de me rattraper. Je dirais même que je suis. Non. Oh mon dieu. Mais la chance est vraiment avec moi pour cette vidéo. Oh my god. Non. Oh. Oui. Alléluia, baby. Bravo. Oui, je me dis bravo à moi-même. Mais là, j'avoue que j'étais assez chanceux. Et l'ordinateur un peu moins. Et du coup, je crois que c'est un des plus gros. Première fois que j'ai autant un écart avec le deuxième. C'est presque imperfect ce que j'ai fait. Mais c'était vraiment un bon grand prix, bien intéressant. Mais bon, comme l'accélération était pas top, et vu que j'ai pas fait mon meilleur temps avec ce kart, je crois que je vais revenir sur mon ancien choix. Maintenant, nous allons faire la coupe spéciale. Qui. Je garde toujours pareil comme d'hab. Et voilà. La coupe spéciale qui a déjà un premier circuit assez spécial, Arena Wario, oh mon dieu. Ça aurait pu faire un bon circuit F0 ça. Donc, circuit Wario qui est tellement long, comparé au parc bébé, que nous avons deux tours. Et ce circuit, il me semble, je crois, si je dis pas de bêtises, que ce circuit est le seul de ce jeu qui n'a toujours pas été repris en version rétro. Me semble. Je crois que c'est le seul, faudrait que je revérifie au passage. Donc l'arène Wario est bon, est long comme celui sur Mario Kart 64, mais au moins il se distingue de celui sur 64 qui ressemble déjà pas mal au stade Waluigi que je n'aime pas. Donc voilà. Donc ce circuit est assez différent et j'ai pas envie de me faire pousser par Bowser, par pitié. J'aurais peut-être pas dû lâcher la banane comme ça. Bon, j'arrive déjà mieux à faire le dérapage que lors de la première vidéo, ça va. Au moins le niveau revient petit à petit en rejoignant à ce jeu. Bon. Heureusement que j'ai eu l'éclair à ce moment-là, que à ce moment-là. Et comment ça se fait que j'ai trouvé un. Oh putain, alors là, non, même pas en rêve. Finalement, je vais même pas chercher à prendre le raccourci. Ce serait encore un coup à ce que je me le mange en plein saut. Hop là, loupé. Et ça, j'avais pas trop envie de tomber dans le trou. Ah ah, Baby Luigi time. On dirait que le mec il est pas content qu'il doit passer derrière quoi, parce que le mec est ah ah. Oui, je passe. Je suis passé, génial. Bon, on va continuer comme ça. Ah ah, Baby Luigi time. Double coquille verte. Putain, c'est la pire combinaison pour moi. Qu'est-ce que j'aime pas les coquilles vertes. J'ai jamais aimé cet objet. Donc je vais en balancer une, voilà. Bah hé, hey, mais tu me trolles là. Donc j'en rebalance une à nouveau, en espérant cette fois-ci avoir au moins une banane, c'est mieux. Ouais, faux cube, bof. Oula, j'entends le bruit de l'étoile, j'espère que c'est pas proche de moi. Non, ça va. Ça c'est. Le bruit s'est éloigné. Yeah man, je me suis pas planté, heureusement. Sinon, je crois que j'aurais pas gagné cette course. Oh, excuse me. Non, je crois que là, même si je me mange une coquille bleue, j'arrive quand même premier. Bravo. Ah oui, je me dis bravo, je m'en fous de ce que vous pensez.
Mais bon, ce Grand Prix reste pas super facile, donc on va essayer de se concentrer. Jungle Dino Dino. Je suis pas fan de circuit, je sais pas. De circuit dans la jungle, bof quoi. Et en plus je loupe mon super démarrage. Allez. Ok maman Luigi, tu vas te manger des spaghettis dans la gueule. Attention maman Luigi. Tiens, mange. Et merde, j'espérais qu'ils tombent du pont, ça aurait été bien. Parce que ce sont eux qui sont arrivés deuxième lors du premier circuit, donc je dois me méfier. Des geysers à évidemment esquiver, mais rien de bien compliqué. Ok, là non, je devrais pouvoir l'avoir là. Eh oui, je l'ai eu. Baby Luigi time. Ok. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on va dire. Et je crois que je suis encore assez éloigné du deuxième. Je sais même pas que je me risque sous ce dinosaure, j'ai même pas envie. Hop là. J'ai même pas envie non plus de me risquer à prendre un autre chemin avec les ponts, je vois pas l'intérêt. Autant on continue tout droit. Et à droite, c'est seulement si vous avez un champignon, donc à ne pas prendre. Bon, ça va, pour l'instant, je m'en sors bien. Tu vas là. Sur le pont là, c'était plutôt parfait. Oh les mecs, vous faites quoi? C'est un peu trop facile cette fois-ci sur couleur. Non, j'ai déjà deux objets, c'est pas la peine. Éviter de faire un dérapage sur le pont, ce serait con si je tombais, mais même si je pense encore une fois que même si je me mange une coquille bleue ou que je tombe, je suis pas prêt d'être attrapé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent les autres dans ce Grand Prix, mais... Ah bah tiens, en parlant du loup. Maman Luigi, tu vas me payer maman Luigi. Même si c'est pas lui qui m'a pensé à coquille bleue, qu'est-ce que je raconte? Maman Luigi. Oui, oui, je vais aller faire popo pipi. Non, mais c'est ce qu'il a dit, je sais pas. Non, Oh, bébé Luigi, je crois que je vais passer à bébé Mario, là, parce que bébé Luigi, il a dit... Oh, mon Dieu. Depuis que j'ai entendu le... Ouais. Bof. Oui, je crois que je vais passer à bébé Mario, là. Et vu que je supporte pas trop la voix de Toad non plus, je crois que je vais même passer à Toadette, bébé Mario, même dans la prochaine vidéo, je crois. Et le château de Bowser. Putain, j'ai la rage à chaque fois que je fais ce circuit. Pourquoi? Parce que ce circuit n'a toujours pas... Bah voilà, bah en fait, non, je me suis trompé. Ce circuit non plus n'a pas été repris, voilà. Et je crois que c'est... Maintenant, c'est vraiment les seuls avec l'arène Wario. Ce circuit n'a toujours pas été repris. Et je trouve ça honteux parce que dans Mario Kart 8, aucun château de Bowser a été repris. Et j'aurais largement préféré que ce circuit soit repris à la place de, encore une fois, le circuit Yoshi qui a déjà été repris sur DS. Voilà, je suis un peu déçu. Et en plus, je crois que c'est un de mes châteaux Bowser préférés. Rien que pour la musique, en plus. De toute façon, les châteaux de Bowser, généralement, ce sont... Merde, trop tard. J'allais la balancer. Je disais, les châteaux de Bowser, généralement, ce sont mes circuits... Oh, putain. Généralement, ce sont mes circuits dans Mario Kart. C'est les circuits que je préfère jouer. Sauf sur la Super NES. D'ailleurs, c'est le circuit de Bowser qui me motive pas dans la coupe étoile. Et dans tout ça, jouer à ce sur-circuit, ça donne envie de me faire un petit Castlevania, moi, après. Bref, un circuit que j'adore et que j'espère, Nintendo, que vous songerez à le reprendre. Parce que pour les prochains DLC, et s'il y a des prochains DLC, vous n'avez... Voilà, vous avez repris aucun château de Bowser, les mecs. Donc reprenez celui-là, je vous en prie. Et franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai repris le card que j'avais utilisé lors de la première vidéo, mais... Fuck, ils sont nuls pour ce Grand Prix. Je sais pas, j'ai... C'est pas aussi facile en 150 pourtant. Je sais que c'est facile, mais à ce point-là... Ça va, c'est encore... Ah, je savais que j'avais entendu une coquille bleue. Je le savais. Mama. Ma.
Bon, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Oui, je t'ai eu, merci. Non, j'aime vraiment beaucoup ce circuit. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Le prochain aussi n'a toujours pas été repris, putain. Mais en fait, je crois qu'il n'y a que des circuits... Dans la coupe spéciale qui n'ont pas été repris dans les prochains Mario Kart. Et en fait, je crois que j'ai surtout confondu avec Mario Kart 64, où là, je suis sûr de ce que je dis, c'est l'Arène Wario qui n'a toujours pas été... Le seul circuit n'a toujours pas été repris de son jeu. Sûr et certain. Sur Mario Kart 64, ils ont tout repris sauf l'Arène Wario. En même temps, ce circuit est horriblement long. Ils n'ont qu'à faire de tout, hein, comme ils ont fait avec la route arc-en-ciel dans Mario Kart 8. Ok, là, je viens de manger, là. Mais, encore une fois, au risque de me répéter, même si je me mange une coquille bleue, même si je me la jambe bien au-dessus du trou, là, je peux que finir premier, là. Mais je gagne, encore une fois. Il faut croire que l'ordi galère un peu sur ces circuits, j'ai l'impression. Regardez-moi ça. 17 secondes d'avance. Holy shit. Et le dernier circuit, donc, la route... Voilà. Circuit qui n'a toujours pas été repris, la route arc-en-ciel. Moi, encore une fois, au risque de râler. Encore une fois. J'aurais préféré ce circuit que Mario Kart... Celui de Mario Kart 64. Ah oui! Et je dirais même celui de sur la Super NES. Encore une fois, ils ont repris une deuxième fois le même circuit. Celui sur Super NES a été repris en DLC et il a déjà été repris dans Mario Kart 7. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi vous reprenez pas ce circuit-là? Voilà, encore une fois, Nintendo, bien que Nintendo me déçoit rarement, ils auraient pu faire mieux. En plus, voilà, la musique de ce jeu me fait rêver. Donc ça aurait pu être vraiment... Non, j'ai pas de dérapage ici. Ouh, j'allais faire un dérapage. Mais ici, généralement, les dérapages, j'évite. Je suis pas assez bon, on va dire. Évidemment, il n'y a pas de mur, comme d'hab. Là, c'est l'endroit où, à chaque fois que vous mangez une coquille bleue, ça marche pas. C'est mon endroit préféré, je crois. Du circuit. C'est la safe zone, on va dire. Tiens, mange! J'espère que ça t'a plu. J'espère qu'il est tombé dans le trou, mais apparemment, je dirais non. What the fuck? Qu'est-ce qui m'a touché, là? Tiens, mange, voilà. Tant qu'à faire, mange aussi ça. Non, doucement, doucement, avec le dérapage, je voudrais mieux pas que je ne tombe dans tout ça. Je sais même pas pourquoi je l'ai balancé à cet endroit, la banane, mais pourquoi pas. Ça aussi, ça aurait pu faire un bon circuit F0, ça. Ah ! Bon, ça va, je tombe pas, tant mieux. Mais celui-là, je pouvais pas trop l'esquiver. Ouh, une étoile, une étoile, une étoile. Et M... Pour choper l'étoile, j'ai essayé de... Voilà, j'ai pas roulé très droit, et voilà le résultat. Voilà, j'ai voulu faire le malin, et finalement non. Donc on va à nouveau essayer de rattraper notre retard. Oui, parce que dans la route arc-en-ciel, vous avez des étoiles qui tombent du ciel, hein, donc forcément. Oh, et est-ce que j'ai précisé que j'aime beaucoup la route arc-en-ciel de ce jeu, parce qu'on voit la putain de cité juste en dessous? Moi, je trouve ça classe. Plutôt que de voir que l'espace intersidéral, la route arc-en-ciel, bah là on voit aussi la ville. Donc finalement la route arc-en-ciel n'est pas trop en altitude, on va dire. Mais pourquoi je dis des choses pareilles? Puisque vu que je dis de la merde, je fais de la merde aussi. Tiens, mange sur la banane. Voilà. Oh super. Oh doucement, doucement, doucement. Ouh que c'est chaud. Ouh quand même. Putain, j'ai loupé aussi le même accélérateur que lui. Oh bah génial en ce moment. Non. Non. Fuck, j'avais pensé. Mais c'est quoi cette coquille rouge qui ne vient jamais là?
Bon, avant qu'on termine, voilà, je le rappelle, très très bon circuit, que je souhaite vraiment qu'il soit repris un de ces jours quand même, dans un Mario Kart. C'est pas la peine de rêver pour Mario Kart 8 parce qu'ils ont déjà repris deux routes arc-en-ciel. Là où ils en ont repris aucun sur Mario Kart 8, ils en ont repris deux dans Mario Kart 8. D'accord, elle touchera, touchera pas, fail. Et ben ça a bien fini finalement. Est-ce que j'ai battu mon record d'ailleurs? Parce que je trouve que j'ai bien joué. Là. Oui, largement, 40 points en plus. Yes! Dans la coupe spéciale. Non, je mets pas le générique de fin. Voilà, donc ça, c'est le... C'est l'écran de fin quand vous avez fini le jeu à 100%, hein, par contre. Vous l'avez pas au début, avec la, encore une fois, la voiture en or. Tous les personnages du jeu. Voilà. Et fin de cette vidéo. Encore une fois, que j'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Merci beaucoup. Salut !